nous ne pouvons manquer d'éprouver de la curiosité, voire une certaine fascination, face à l'accumulation étrange d'animaux que nous observons sur ce plat et sur cette aiguière. Leur décor associe, dans un souci naturaliste, des éléments aussi divers que poissons, batraciens, reptiles, grenouilles, serpents, écrevisses, lézards se faufilent à travers une multitude de coquillages des bords de mer. L'appellation que Bernard Palissy lui-même a donnée à ce type de création sonne également d'une façon étrange à nos oreilles, puisqu'il s'agit des rustiques figulines, du latin figulus, potier, et rustica de la campagne, c'est-à-dire les céramiques rustiques. Cette présentation sera l'occasion de poser les questions suivantes. Quels sont ces animaux? De quel milieu naturel sont-ils issus? Pourquoi ont-ils été réunis sur ces objets par leur inventeur? Plus généralement, quel sens ces céramiques ont-elles? Dans quel contexte ont-elles été conçues et réalisées? Il ne s'agira pas d'une conférence sur l'homme que fut Bernard Palissy. Arpenteur géomètre, céramiste, homme de science, devenu une figure mythique, notamment par le regard que le XIXe siècle a porté sur lui. Mais on évoquera, lors de la conférence, ses écrits qui nous éclairent sur cet homme qui vécut pleinement son activité de céramiste dans la seconde moitié du XVIe siècle. En effet, si l'on retient la date de 1510 comme année de sa naissance, il aurait eu 45 ans en 1555, période à laquelle on situe sa maîtrise de l'invention des rustiques figulines, et il meurt en 1590. Ainsi, les préoccupations de Palissy, qu'elles soient dans le domaine de la céramique, dans celui de la religion, puisqu'il était un fervent protestant, également dans le domaine de ses écrits, reflètent-elles parfaitement l'esprit de cette seconde moitié du XVIe siècle et sa soif de connaissance et d'expérimentation qui juxtapose sans contradiction quête de vérité et intérêt pour les phénomènes étranges de la nature, et donc tout à fait également typique de cette période qui est celle du grand développement des cabinets de curiosité, l'un des phénomènes précisément interrogés par le cycle proposé cette année par Umberto Eco. C'est avec l'aide des données scientifiques obtenues sur la production de Bernard Palissy en général et sur les deux œuvres du Louvre présentées ici en particulier, donc cette aiguière et ce plat qui sont tous deux entrés assez tôt dans les collections du musée du Louvre en 1825 avec la collection Durand. Donc ces pièces qui ont été analysées très récemment par le Centre de recherche et de restauration des musées de France, que nous tenterons de percer un peu du mystère qui entoure les productions céramiques de Bernard Palissy. Et nous verrons en quoi ces analyses témoignent des recherches et des expérimentations de l'artiste qui accumule sur les pièces non seulement les espèces animales, mais également les émaux ou glaçures colorées qui leur donnent vie. Alors, pour d'abord évoquer ces animaux, nous allons commencer un voyage dans ce plat qui est, des deux pièces ici présentées, celui qui regroupe le plus grand nombre d'espèces. Ce qui nous frappe immédiatement, c'est la vraisemblance, le naturel, la réalité qui semble émaner de ces animaux, et nous verrons que c'était précisément l'effet recherché par Palissy. Nous étudierons avec quels moyens il y parvient d'un point de vue technique et dans quel but. Les animaux qui cohabitent sur ce plat proviennent de différents milieux naturels, le plus souvent proches de l'eau, qu'elle soit eau douce ou eau salée, et certains de ces animaux sont prédateurs les uns des autres. Cependant, leur milieu de vie n'est pas évoqué sur les objets eux-mêmes, puisque l'eau n'est pas représentée. Tous les animaux, en fait, sont rendus luisants par l'effet de la glaçure et ont donc l'air d'être complètement recouverts par l'eau. Seul le fond sur lequel les animaux sont posés évoque les anfractuosités d'une roche et les nuances des mousses. Alors, à certains moments, vous verrez, nous avons mis des animaux réels en parallèle pour vous montrer les cas les plus frappants de vérité. Alors, le premier groupe d'animaux auquel on va s'attacher sur ces pièces sont les reptiles, donc des vertébrés dont le corps est recouvert d'écailles qui peuvent vivre plus ou moins proches des milieux aquatiques, serpents, lézards et tortues. Alors, voici ici un exemple de couleuvre, une couleuvre à collier, la couleuvre Natrix natrix. Sa couleur peut varier du gris au noir et elle a un collier jaune typique, jaune ou blanc derrière la tête, donc auquel elle doit son nom. Cette couleuvre à collier sait très bien nager, on la rencontre souvent près des étendues d'eau. Donc, nous en avons plusieurs exemples sur le plat, donc des couleuvres un peu pliées sur elles-mêmes, des couleuvres étendues, disons, en marche, pourrait-on dire. Et puis, nous avons aussi peut-être un exemple de vipère. Donc, voilà, on y arrive tout doucement. En fait, un petit serpent tout à fait replié sur lui-même qui pourrait être une vipère. Voilà.
c'est parfois difficile d'identifier les animaux jusqu'au niveau de l'espèce. Alors juste à côté de cette vipère, on a un lézard. C'est l'autre donc reptile représenté sur ces plats, qui nous fascine d'ailleurs par la vérité avec laquelle tous les détails de son anatomie sont représentés. Il s'agit du lézard vert occidental, Lacerta bilineata, qui apprécie notamment la végétation des bois, des haies, des bords de champs, des forêts, etc. Et qui apprécie aussi l'eau, comme vous pouvez le voir sur l'image de ce lézard à gauche. Donc ses prédateurs principaux sont notamment la grande couleuvre, la vipère, etc. Donc nous avons sur le plat de Palissy à la fois des serpents, donc des lézards repliés sur le même qui font mine de se mordre la queue, et puis des grands lézards étendus également, nous les verrons tout à l'heure plus en détail. L'autre reptile, le troisième reptile présent sur ce plat, c'est la tortue. Alors on a un exemplaire d'une grande tortue que vous voyez là à l'écran. Donc, il s'agit de la cistude d'Europe, qui est en fait une tortue qui fait entre 10 et 20 cm. C'est une tortue d'eau douce, dont la carapace est relativement plate et qui a la particularité donc, de présenter des lignes ou des points sur sa carapace, également sur sa tête et ses pattes, comme vous voyez sur cette image de cistude à l'écran à gauche. Alors, c'est plus difficile d'identifier les petites tortues qu'on a un petit peu éparses sur le plat. Peut-être c'est des bébés cistudes d'Europe. Voilà pour les reptiles, les amphibiens, et essentiellement sur ce plat, les grenouilles. Voilà, une petite tortue ici. Alors juste à côté d'elle, la grenouille, qui est vraiment avec donc crapaud et rainette, les grenouilles vertes, qui sont les batraciens les plus aquatiques, qui affectionnent évidemment les plans d'eau, les marais, les étangs, comme vous le savez bien. Donc nous aurons l'occasion de revoir ces grenouilles en détail tout à l'heure. Autour de la grenouille, des poissons. Alors, différents poissons représentés sur le plat. Voilà, à l'écran, vous en voyez déjà deux, trois même. C'est un petit peu plus difficile de les identifier. Ce sont vraisemblablement majoritairement des poissons des bords atlantiques, de la zone océane, qu'a bien connu Bernard Palissy. Ça vaut à peu près pour l'essentiel des espèces représentées ici. Quand on arrive à distinguer l'espèce, voilà, vous avez ici à l'écran deux espèces représentées, sans doute ici un grondin, qui est un petit poisson en fait qui peut marcher au fond de la mer à l'aide de ses nageoires pectorales, donc qui est ici. Et puis l'autre poisson qu'on reconnaît aisément, c'est la raie, donc ce poisson en forme de losange dont le corps est très plat et qui vit également sur le fond des mers, assez proche des côtes sableuses. Voilà pour les différents animaux représentés. Les coquillages maintenant. Alors sur son plat, Palissy a essentiellement utilisé des mollusques de deux sortes, des bivalves et des gastéropodes. Ce sont tous des coquillages des bords de mer et notamment de la côte océane, côte que connaît bien Palissy. Et donc voici une citation, nous allons émailler tout notre propos de citation des textes de Palissy. « J'étais quelquefois à Saint-Denis d'Oléron, qui est à la fin d'une île de Saint-Onge, où je pris une vingtaine de femmes et enfants pour me venir aider à chercher sur les rochers maritimes certaines coquilles desquelles j'avais nécessairement affaire. » Il n'en dit pas plus, mais peut-être ce sont-elles les coquilles dont il s'est servi pour réaliser ses créations. Alors les bivalves donc, sont des mollusques dont la coquille est constituée de deux parties distinctes et attachées. Le terme ici de coque, tout à fait connu, hein, ce sont des espèces qu'on connaît évidemment toujours de nos jours. Donc la coque, vous en avez des images à gauche et à droite, ce sont ces petits coquillages-là assez bombés. Et puis, juste à côté, d'ailleurs, nous voyons un deuxième type de coquillage bivalve ici, chlamys ou pétoncle. Donc le terme vernaculaire de pétoncle est déjà attesté au XVIe siècle. Et c'est un coquillage proche du genre des coquilles Saint-Jacques. On reconnaît un peu la forme. Donc voilà pour les bivalves. Et dernier type de coquillage représenté sur le plat. Il y en a un petit peu plus et plus différent sur les guerres. Donc vous voyez ici un gastéropode, difficilement identifiable, enfin, plus difficile à identifier, donc qui a cette forme un peu d'escargot. Voilà pour les coquilles et coquillages. Dernier groupe représenté sur ce plat, les crustacés, écrevisses et crabes. Alors, nous avons différents petits crabes, pas très gros, qui sont répartis. Voilà un.
Donc, ce crabe, le crustacé marin, un crustacé marin évidemment très adapté à la vie dans les zones de balancement des marées. Donc, on retourne là du côté de la mer et du milieu maritime, notamment le long des côtes de l'Atlantique Nord, qui était vraiment le milieu où vivait Palissy. Et l'autre crustacé, l'écrevisse. Sur le plat, nous avons deux petites écrevisses dont les couleurs des glaçures ne sont pas très variées, des écrevisses grises. Voilà, vous en voyez une à l'écran. Donc, l'écrevisse non vernaculaire donnée à certaines espèces de crustacés qui ont en commun de vivre dans l'eau douce, plutôt. Et donc, on va passer à l'aiguière, puisque sur l'aiguière, voilà un exemple d'écrevisse, on retrouve certains de ces animaux sur l'aiguière avec une mise en scène plus surprenante, puisque si tous les coquillages sont bien répartis de façon un peu irrégulière sur le corps de cette aiguière, voilà. En revanche, nous pouvons observer une écrevisse et une grenouille. Donc, je tourne pour que vous voyez. L'écrevisse, en fait, forme le couvercle de l'aiguière. Et la grenouille forme le bec, avec la bouche ouverte pour peut-être laisser passer un liquide. Alors, évidemment, ce qui est frappant quand on voit cette aiguière, c'est de constater que son couvercle n'est pas amovible et que si nous avons très vraisemblablement affaire là à un objet qui n'est pas utilitaire. C'est vraiment un objet qui d'apparat. Une aiguière non fonctionnelle, ce qui ne doit pas nous étonner, puisque pour la période à laquelle Palissy a travaillé et pour toute la Renaissance en général, il est tout à fait fréquent d'avoir des objets comme ça d'apparat qui sont des éléments de vaisselle, mais pas destinés à un usage, qui sont plutôt là pour être admirés pour leur beauté, leur étrangeté, leur préciosité ou leur virtuosité technique. Voilà. Donc les différentes espèces qui cohabitent sur ce plat, on l'a vu, proviennent de différents milieux naturels. Vous voyez, on a fait ça très très succinctement, ça pourrait être mieux fait, mais donc on a les reptiles qui sont plutôt milieux terrestres, même s'ils apprécient particulièrement l'eau, comme on l'a vu, pour la couleuvre, le lézard, la tortue. Les amphibiens et certains crustacés, donc l'écrevisse, qui sont plutôt du milieu eau douce. Et en milieu marin, bien sûr, les poissons, les mollusques et le crabe. Alors, ces animaux qui sont si réalistes dans leur représentation, tant par la forme que par la couleur, ne pourraient pas, dans la réalité, vivre ainsi les uns à côté des autres. Nous sommes donc ici face à une sorte de paradoxe, puisqu'on peut souligner d'un côté l'invraisemblance de leur regroupement sur ces pièces, qui répond davantage à un souci de symétrie, un souci esthétique, à un choix esthétique, plus qu'à une vérité écologique. Mais d'un autre côté, on doit également souligner le fait que tous ces éléments ne peuvent pas être moins réels, puisque précisément ils ont été moulés sur le vif, alors sur le vif ou encore d'après nature. Comment Palissy a donc réalisé les éléments qui décorent ce plat et le plat lui-même ? Contrairement à d'autres techniques de création de céramique, ces pièces et l'ensemble des éléments qui les composent n'ont été ni tournés, ni sculptés, mais moulés. Pour nous aider à comprendre cette technique, dont Palissy semble l'inventeur au milieu du XVIe siècle dans le domaine de la céramique, même si la technique existait déjà dans celui de l'orfèvrerie, nous allons montrer à l'écran un certain nombre de fragments, en plâtre et en terre, émaillés ou non, qui proviennent des fouilles archéologiques menées d'abord à la fin du XIXe siècle, puis dans les années 1980, très près d'ici, donc au jardin des Tuileries, dans la zone qui correspond vraisemblablement à l'atelier occupé par Palissy et son équipe au moment où il a réalisé la grotte commandée par Catherine de Médicis, donc dans les années 1565-67. Sont conservés entre 14 000 et 15 000 fragments en Île-de-France, sous la gestion du Musée national de la Renaissance d'Écouen, dont vous avez une image à l'écran. Musée qui présentera d'ailleurs l'année prochaine, un peu en hommage à la date proposée de date de naissance de Bernard Palissy, donc une sélection de ses découvertes capitales. Et j'en profite pour remercier l'équipe du Musée d'Écouen qui nous a apporté une aide précieuse pour ce projet. Parmi tous les fragments qu'on va vous montrer, finalement, rares sont ceux que l'on peut mettre en relation avec des éléments de vaisselle, comme nos pièces de musée, mais on observe une même technique. Et ces fragments, conservés à Écouen, sont vraiment d'une importance capitale, puisqu'ils sont en fait l'unique œuvre documentée
pouvant être attribué sans le moindre doute à Palissy et son atelier. Dans le cas des éléments de vaisselle, en fait, c'est par comparaison, par déduction, par élément technique, on le verra avec Anne, qu'on les rattache à la production de Bernard Palissy. Alors, ce moulage sur le vif, qu'est-ce que c'est exactement ? Chaque animal ou coquillage qu'on voit présent ici est d'abord moulé individuellement avant d'être associé sur une composition d'ensemble qui forme le plat ou les guerres. Ce travail de moulage, on dit qu'il se fait d'après nature. Qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, c'est réellement moulé sur un animal vivant, réel, qui est évidemment mort, mais depuis peu de temps. Alors, on conserve un manuscrit du XVIe siècle, un manuscrit anonyme, qui nous raconte un petit peu les différentes étapes de cette technique. Donc, après avoir capturé les animaux sans les blesser, on va les conserver dans des barriques à moitié remplies de terre humide ou dans des bouteilles remplies de son. Puis, on va les tuer le plus tôt possible, ou bien les nourrir pour pas que leur forme se dégrade. Pour les tuer, on les trempe dans un récipient rempli de vinaigre et d'urine pendant une demi-heure, par exemple. Enfin, l'animal mort, on va préparer le moulage. Alors, on aplatit une galette d'argile avec un rouleau et on positionne sur cette galette d'argile l'animal récemment mort, on va dire. Pour qu'il conserve sa position, pour qu'il ne bouge pas au moment où on va le mouler, on va le fixer. Pour le fixer, on va passer des fils métalliques dans les pattes, dans l'animal lui-même, et on va fixer ces fils sur la galette d'argile en dessous. Donc l'animal est fixé sur sa galette d'argile. Ensuite, on le recouvre de matière grasse, de l'huile d'olive, du beurre fondu, pour faciliter le retrait du moule, et on moule avec du plâtre. On obtient donc un moule en négatif ou en creux de l'animal. Alors, on va vous en montrer toute une série. Donc là, à l'écran, donc, tout ça, c'est des fragments qui ont été trouvés aux fouilles des Tuileries et qui sont conservés à Écouen. Donc, à droite, vous avez ici un petit lézard. Bon, vous avez vu, c'est un peu rapide, le petit lézard à droite. Et à gauche, il y avait le positif qui était tiré de ce négatif. Ici, donc, une petite grenouille. Donc, pareil, un négatif. On voit que tous ces éléments, évidemment, ressemblent à ce qu'on trouve sur nos plats. Alors, on a d'autres exemples. Là, c'est un petit peu plus complexe, puisqu'on a donc affaire toujours à un négatif, mais vous voyez qu'il est déjà dans une composition. Donc, c'est ce lézard on a l'impression qu'il se mord la queue, qu'on retrouve ici sur le plat. Ça ne veut pas dire que le lézard du plat provient de ce moule-là, bien sûr, mais on voit qu'il y a vraiment... C'est très, très proche. Et vous voyez ici, par ce détail, cette lumière un peu rasante, la qualité du détail vraiment de reproduction, que ce soit des coquillages ou de la peau du lézard, c'est tout à fait stupéfiant. Donc, le lézard, autre exemple, donc une autre composition d'ensemble. Là, vous avez non plus un négatif, mais un positif d'un grand lézard, hein, comme on en a sur le plat ici, également entouré de coquillages, et dont on a, je crois, une image de détail qui permet justement vraiment de voir la qualité, la précision, voilà, sur cette photo de détail. Vous voyez la précision, hein, qu'on voit très bien quand la terre n'est pas encore émaillée, mais on continue à le voir même après la pose de la glaçure. Enfin, dernier exemple qu'on voulait vous montrer, un serpent. Voilà, donc là, c'est un positif d'un serpent lové sur lui-même, comme on en trouve sur les plats. Palissy conservait vraisemblablement de nombreux modèles de référence sous forme soit de moules en plâtre, soit de tirages, des animaux, des coquillages, etc. Ça devait tout ça constituer le stock de son atelier. Il avait en quelque sorte un cabinet de naturalistes à sa disposition pour fabriquer ses pièces. Alors voilà, vous avez là quelques exemples de fragments qui sont ici émaillés, mais ça donne un peu une idée de tout le répertoire qu'il avait pour finalement composer, fabriquer la composition générale de son plat. Alors, comment faisait-il ? C'est la forme et le décor à la fois qui sont fabriqués. Donc, les différents éléments, les positifs, hein, les différents éléments en relief sont disposés dans un ordre établi par l'artiste sur une motte de terre qui représente le volume de la future pièce. Le céramiste va donc disposer animaux et coquillages et obtenir un modèle, une matrice, qui est l'image exacte de la composition qu'il voudra obtenir. Cette composition va être moulée en plâtre, et c'est à partir de ce plâtre qu'il tirera évidemment le positif dont on a ici un exemple, par exemple. Alors, ici, vous avez à l'écran une pièce exceptionnelle, toujours découverte dans les fouilles des Tuileries conservées à Écran. C'est un très, très grand moule, là, pour le coup, d'un élément de vaisselle qui ressemble à ce type de bassin.
Et donc, vous avez là le moule en plâtre qui est le négatif et qui va permettre la réalisation d'un positif. Il y a aussi une image de détail qui vous permet de voir qu'on a du mal avec ce type d'objet à identifier et à bien comprendre. C'est toujours difficile d'avoir une vision en négatif des différents éléments qui composent ce plat. Alors c'est à partir de ce moule en négatif en plâtre que l'on va tirer une épreuve en terre, un positif. La terre humide ayant été appliquée au fond du moule, étant appliquée sur le moule, et démoulée une fois qu'en séchant, elle s'est un petit peu rétractée. C'est sans doute à cette étape, alors là, ce détail vous permet de voir que on dit qu'évidemment c'est moulé sur nature, mais les techniques de la sculpture ne sont quand même pas tout à fait absentes des réalisations de Palissy, puisqu'on voit bien que l'animal est quand même rattaché à un sol et qu'il y a sans doute un travail lié à la sculpture, un travail d'incision, de ciselure, un peu comme dans l'orfèvrerie, qui est aussi intervenu sur ces plats. C'est donc ce positif qui sera cuit une première fois et qui recevra ensuite les glaçures. Alors à l'écran, vous avez en fait le même fragment qui est présenté, qui est aussi un fragment découvert dans les fouilles des Tuileries, mais qui lui n'est pas conservé à Écouen, mais conservé juste à côté d'ici, dans les salles de l'histoire du Louvre. Donc vous pourrez aller le voir tout de suite en sortant si vous voulez, et vous pourrez aussi d'ailleurs aller voir certains fragments conservés dans les salles du département des objets d'art, les fragments des fouilles faites au XIXe siècle. Alors ici, ce fragment en lézard est intéressant puisqu'on a ici affaire à donc un positif en terre non émaillé, où on a déjà affaire à toute une composition. Et c'est en fait, bon, imaginons que le plat soit complet, que l'élément soit complet, c'est à partir de cette étape-là que l'objet va recevoir les glaçures et va ensuite passer au four. Alors, avec tous ces milliers de fragments qui sont conservés, il y a vraiment un travail de reconnaissance, de recomposition des éléments, des fragments archéologiques qui a déjà été commencé, qui est en cours toujours, qui doit se poursuivre, et qui a permis de mettre en relation parfois des éléments les uns avec les autres. Alors, c'est le cas précisément pour ce fragment, puisque vous le retrouvez à gauche, donc vous voyez, on a un lézard, un coquillage, une écrevisse, on va dire, pour simplifier, et à droite, vous avez le plat qui est conservé au Musée des Beaux-Arts de Lyon, et sur lequel vous avez, ici en haut à droite de l'image, un lézard très très ressemblant, également la même composition avec coquillage et écrevisse. Alors là, comme ça vous permet pas d'en juger, mais on a souvent rapproché ces deux éléments, et même s'ils ne sont peut-être pas issus du même moule, en tous les cas, ils sont très très proches l'un de l'autre, et donc c'est tout à fait intéressant, puisque là, on a affaire à vraiment un objet, un élément qui sort de l'atelier de Palissy, et à droite, on avait un objet de collection, un petit peu comme les plats du Louvre. Voilà pour la technique. Palissy a créé la forme de ces animaux. Maintenant, c'est par les glaçures qu'il va leur donner vie. Donc, je vais laisser la parole à Anne, qui va vous prouver en quoi Palissy n'a vraiment rien d'un potier ordinaire. On sait que pour faire ces rustiques figulines, ces, comme il dit, ces vaisseaux de terre et autre chose de belle ordonnance, Bernard Palissy a commencé à se consacrer entièrement à la recherche des émaux, sans, dit-il, avoir nulle connaissance des terres argileuses. L'émail, ou, comme on dit plus régulièrement en céramique, la glaçure, a deux vocations. D'une part, et surtout sur les pièces utilitaires, de pallier les inconvénients de la porosité et surtout d'augmenter la résistance, et d'autre part, embellir l'objet. Quand il s'agit de décorer, la palette va du simple revêtement monochrome aux représentations les plus figuratives, en passant par des motifs géométriques, et dans tous les cas, il s'agit de créer un objet qui soit plaisant, un objet qui ait une richesse colorée. Le céramiste va en général utiliser des tons francs. Il va également utiliser des oppositions, couleurs chaudes, couleurs froides, des contrastes clairs, sombres. Et généralement, toute cette palette est obtenue par l'utilisation d'oxydes colorants métalliques. Par exemple, pour le bleu, il va utiliser le cobalt. Pour le vert, il va utiliser le cuivre. Pour le jaune, il va utiliser l'antimoniate de plomb ou le fer. Pour le violet, le manganèse. Et en général, les couleurs sont juxtaposées. Dans certaines œuvres, pourtant, la couleur pure peut prendre une signification symbolique. Le nombre de tons utilisés est cette fois-ci beaucoup plus limité. On prend un exemple des premières productions de Luca et d'Andrea della Robbia, les célèbres sculpteurs et céramistes florentins de la Renaissance.
Et toute la recherche va se concentrer sur la densité, la profondeur, l'éclat de la couleur. Le blanc doit être le plus pur possible, le bleu le plus profond, le vert et le jaune les plus éclatants pour représenter la pureté, l'infini, la nature. Le travail de recherche sur la glaçure, cette fois-ci, va se concentrer pour obtenir une opacification parfaitement homogène, un nappage régulier, la surface colorée la plus irréprochable et surtout l'individualisation des couleurs. Une fois que la recette est obtenue, on n'y touche plus. Un exemple, le blanc des Della Robbia, on va le retrouver quasiment tel quel depuis 1440 au moment de Lucca jusqu'en 1550, quatre générations après. Mais même dans le cas où le décor est figuratif, le céramiste ne va pas chercher forcément à reproduire exactement la nature dans toute sa vérité, mais il va chercher à représenter l'objet le plus beau possible, à susciter l'éblouissement. C'est le cas par exemple des majoliques italiennes, ce sont des objets décoratifs par excellence, enrichis de toutes les façons possibles, d'abord par le sujet, ensuite l'exubérance colorée, le lustre, etc. Et dans tous les cas, les mélanges de tons simples vont intervenir comme pour un tableau peint. On puise souvent à la Renaissance les recettes dans des traités comme celui de Piccolo Passo qui date de 1550. En France, à l'époque, il y a également une tradition céramique vivante, surtout dans la décoration des murs et des chapelles, et la technique est cette fois-ci directement inspirée de la faïence italienne. Des magnifiques exemples de pavements sont exposés au château des Couens. En voici un détail d'un pavement réalisé par le Rouennais Masséo Abaken pour le château de la Bâtie d'Urfé. Dans les formes qui viennent d'être présentées, Della Robbia, etc., ce sont souvent des recettes traditionnelles, optimisées au sein d'ateliers qui sont transmis de générations, qui sont appris, ce qui ne veut pas dire, bien sûr, qu'il n'y a pas d'évolution dans les techniques. Mais la philosophie de Bernard Palissy, c'est tout autre chose. Par admiration et respect absolu de l'œuvre du divin architecte, il veut être au plus près de la nature. Et ce qui est vrai pour la forme obtenue par moulage, les également et peut-être plus encore pour la couleur. Et pour atteindre cette vérité, Palissy va écrire « Il faut toujours refuser le trop accoutumé en suivant la trace des prédécesseurs, sans considérer les natures ni les causes principales. » Autrement dit, il ne faut surtout pas suivre les recettes d'autrui aveuglément, il faut tout expérimenter par soi-même. Et par exemple, pour trouver le secret du blanc, le fondement de tous les émaux, dit-il, certains jours, Palissy va confier au four des petits fragments de terre, quelquefois plus de 400 tessons, sur lesquels il aura appliqué plus de 400 mélanges différents. Ces mélanges qu'il, dit-il toujours, qu'il ayant marqué, il mettait en écrit à part les drogues qu'il avait mises sur chacune des pièces. Quelle liste ! Nul doute qu'il continuera à avoir cette habitude quand il devra rechercher la palette de des couleurs des grottes. Et vous voyez ici des petites albarelles montrant des essais de couleurs que l'on a retrouvés toujours dans les fouilles des Tuileries. Quand il aura eu l'inspiration des rustiques figulines, il voudra, dit-il, émailler ces moulages de reptiles ou de batraciens si près de la nature que les autres lézards naturels et serpents les viendront souvent admirer. Comme tu vois qu'il y a un chien en mon atelier de l'art de la terre, que plusieurs autres chiens se sont prêts à gronder à l'encontre pensant qu'il fût naturel. Il ne s'agit plus de faire beau, il faut être vrai et il faut donner l'illusion de la vie. Chacune des glaçures de Bernard Palissy est le fruit d'une recherche, d'une invention, souvent bien difficile à retrouver aujourd'hui. Et bien sûr, Palissy ne nous en dit presque rien. Il va écrire « Les émaux de quoi je fais ben besogne sont faits d'étain, de plomb, de fer, d'acier, d'antimoine, de safre, de cuivre, d'arène, de salicor, de cendre gravelée, de litharge, de pierre de Périgord. Voilà les propres matières desquelles je fais mes émaux. » Et rien de plus.
Évidemment, il ne faut pas divulguer les secrets qu'on a mis tellement de temps à trouver, que l'on a acquis à grands frais et labeurs, dit-il. Et puis, il nous lance une petite pique au travers des siècles. La science se manifeste à ceux seuls qui la cherchent. À bon entendeur, aujourd'hui, nous avons les moyens techniques pour approcher un petit peu les secrets de l'art de Palissy et peut-être commencer à comprendre les dosages par lesquels il réussit à faire coexister dans une œuvre parfaitement cohérente des compositions qui se comportent différemment au feu. Nous avons utilisé des techniques évidemment totalement non destructives, l'accélérateur, le PIX avec l'accélérateur de particules aglaé qui va permettre de connaître la composition chimique de la matière, et l'autre, la diffraction des rayons X qui va permettre d'identifier les composés cristallisés. En septembre, lorsque nous avons commencé les analyses, une équipe de la régie est venue nous filmer au laboratoire, et notamment à l'accélérateur. Vous reconnaissez le plat qui est pris avec 1000 précautions jusqu'à la salle de l'accélérateur et que l'on met en position d'analyse perpendiculairement au faisceau de l'accélérateur. La surface qui va être analysée va se trouver à moins d'un millimètre. Il faut approcher le plat à moins d'un millimètre de la sortie du faisceau. Et on va déplacer l'objet avec un moteur pas à pas pour le mettre perpendiculairement, parfaitement perpendiculairement, avec difficulté. On fait bouger le plat. Parfaitement perpendiculairement au faisceau. Et donc, nous avons travaillé à peu près sur une trentaine ou une quarantaine de points. On était au niveau du plat, faisons un zoom arrière au niveau de l'accélérateur, aglaé, accélérateur grand louvre d'analyse élémentaire, 26 mètres de long, 10 tonnes, et l'accélérateur est pourvu de deux sources de particules. Ces particules sont injectées dans le tank et vont être accélérées. Ils vont ensuite être focalisés jusqu'à un aimant. Et cet aimant va permettre de diriger le faisceau de particules jusqu'au plat. À part ça, il s'agit de la ligne que l'on appelle la ligne faisceau extrait. Dans cette ligne, les particules sont accélérées jusqu'à une vitesse de 50 000 km par seconde. Les particules arrivent directement à l'air libre et on va amener le faisceau perpendiculairement à ce coquillage qu'on va étudier. Nous voici dans la salle de contrôle. Vous allez voir l'impact du faisceau sur le coquillage, vous le voyez, 50 microns, et la matière va réagir en émettant des rayons X, dont l'énergie et la quantité va nous permettre de déterminer les éléments chimiques présents et leur concentration. Autre technique, c'est une technique mixte de diffractométrie et de fluorescence X, technique qui a été développée au C2RMF dans le cadre d'un programme européen par Jacques Castin, que vous voyez ici, et l'équipe Aglaé. Et là, elle nous permet, sous l'influence d'un faisceau de rayons X, d'avoir une information à la fois sur la composition chimique, bien sûr un peu moins précisément qu'avec l'accélérateur, mais en parallèle, on a également une information sur la composition minéralogique des éléments qui sont cristallisés à l'intérieur de la matière. Quand il y a des rayons X, voilà la réponse de la matière. Vous voyez ici tous les pics correspondant aux différents éléments présents dans la glaçure. Une fois que c'est terminé, on enregistre bien sûr tous les spectres que l'on a fait. On range les plats, on les met à disposition de tous nos autres collègues qui nous ont aidés, les photographes, radiologues, etc., etc., que je profite de remercier ici pour toute l'aide qu'ils nous ont apportée, en même temps que l'équipe Aglaé. Et va commencer le long dépouillement des spectres que nous avons acquis. Reprenons une vue d'ensemble de ce plat. Est-ce qu'on peut dire que la couleur est séduisante? Non. Attractive? Même pas. Décorative? Bouf. Assurément non, elle est hyper réaliste. Elle habille les formes, elle est au plus près de la vérité du vivant
dans leur individualité, sinon dans leur regroupement. Mais comment Palissy réussit-il à cette vérité? Comment la plus fine écaille d'un lézard arrive-t-elle à rester si nette? Une glaçure trop épaisse, évidemment, masquerait définitivement tous ces micro-détails. C'est d'ailleurs ce que Palissy va reprocher aux glaçures de Della Robbia, et il va dire lui-même que l'ouvrier doit trouver moyen de rendre tous ces émaux diaphanes et transparents en telle sorte que la forme de la sculpture apparaît autant bien après qu'elle est couverte d'émail comme auparavant. Donc, le céramiste va jouer avec les transparences. Une glaçure est transparente quand à l'intérieur de la face vitreuse, il n'y a rien, ni bulles, ni cristaux, ni impuretés. Et on va au contraire opacifier une glaçure en ajoutant des microcristaux. Ici, la diffraction des rayons X nous a montré qu'il s'agissait essentiellement de microcristaux de cassitérite, c'est-à-dire de l'oxyde d'étain. Et pour diminuer l'inconvénient de cette opacification qui risque d'empâter la totalité, eh bien, on va jouer sur l'épaisseur. Dans ce plat, tout va être utilisé à la plus juste mesure. Les mélanges, glaçures transparentes, opacifiées, les formes, les surfaces, les couleurs, les compositions chimiques, les dosages, tout est parfaitement dosé. Prenons quelques exemples. 5 en tout. Tout d'abord, un coquillage parfaitement transparent. La glaçure est parfaitement transparente. La couleur que vous voyez provient de la pâte sous-jacente. La composition de la glaçure, de la silice qui constitue le réseau de la glaçure, plus du plomb qui est utilisé pour diminuer comme fondant, pour diminuer la température de fusion de la silice. Et puis, à côté de ça, des micro-traces, un petit peu de cuivre, un petit peu de cobalt, un petit peu de manganèse, du calcium, de l'aluminium. En revanche, si on s'intéresse aux glaçures vertes, les glaçures vertes qui sont celles des grenouilles et des lézards, cette fois, on retrouvera bien sûr toujours la silice et le plomb, mais Palissy y ajoute un petit peu d'opacifiant. 3% pour la grenouille, 7% pour le lézard. Il va colorer avec du cuivre, 3% de cuivre, auquel il va ajouter un petit peu de fer, un petit peu de calcium, comme tout à l'heure, et puis de fortes proportions d'aluminium. On ne sait pas pourquoi pour l'instant, parce que ça ne joue pas sur la couleur. Il arrive parfaitement à rendre la perfection des écailles des lézards et puis la peau un petit peu molle de la tortue. Et comment? En travaillant sur l'épaisseur. On a réussi de façon non destructive à mesurer l'épaisseur sur le lézard et on a trouvé une épaisseur de glaçure de 10 microns, c'est-à-dire moins de 0,01 mm. Sur les grilles des reptiles et des poissons, on va encore avoir des glaçures différentes. Si l'on prend le serpent que voilà, on retrouve toujours les éléments de base, silice et plomb, mais cette fois-ci, de l'étain en quantité un petit peu plus importante. Sur le poisson que voilà, l'étain va atteindre jusqu'à 16%. Et puis, la coloration va être extrêmement subtile avec une pincée de cuivre, une pincée de fer, un petit chouïa de cobalt, un petit peu de manganèse et avec des proportions légèrement différentes pour obtenir un camailleux de gris extrêmement sophistiqué. Les nuances de vert et de gris sont très nombreuses dans ce plat et chacune d'elles se caractérise par des dosages infimes. Et sur un même élément, Palissy fait varier la palette, les mélanges et regardez cette tortue. Cette tortue, on reconnaît là bien toute la passion que met Bernard Palissy pour représenter par le jeu des glaçures des pierres semi-précieuses, des jaspes, des chalcédoines. Il le fait pour cette carapace de tortue. Et ce que je viens de dire ici est parfaitement bien illustré aussi lorsqu'on considère le fond du plat, les détails sur lesquels de ce plat sur lequel grouille vraiment la vie. On a parlé du plat de Bernard Palissy et que dire maintenant de cette pièce moins impressionnante mais tout aussi intéressante.
Avant d'aller dans le détail, voyons tout d'abord ce qui va se passer lorsqu'on va considérer l'anse. Admirons le tour de force de cette anse colorée. Les bras violacés, parfois qui vont jusqu'au noir, les camailleux de bleu, du bleu sombre, du bleu marine au bleu le plus clair, se jouent sous une glaçure qui est parfaitement transparente. Elle ne contient pas du tout d'étain. En revanche, pour la grenouille verte qui constitue le bec, eh bien là, on va avoir une composition chimique exactement similaire à celle des glaçures du plat. C'est-à-dire qu'elle va contenir un petit peu d'étain, qu'elle va être colorée avec du cuivre et un petit peu de fer. L'écrevisse qui forme le couvercle, quant à elle, va être colorée par un mélange de manganèse avec un petit peu de cobalt, avec un petit peu de cuivre et de fer. Mais dans les pinces, les teneurs en manganèse vont être beaucoup plus importantes et l'opacification est obtenue par l'ajout d'étain à la fois dans le corps et dans les pinces, l'étain étant plus important dans les pinces qu'il faut maintenir beaucoup plus sombre. Autre tour de force de Bernard Palissy, c'est d'avoir fait coexister sur la même pièce à la fois des coquillages parfaitement blancs, c'est-à-dire avec une glaçure parfaitement transparente, et puis d'autres, pour donner cet effet magnifique de relief, d'autres qui sont légèrement plus jaune paille. On ne comprenait pas comment on arrivait à avoir ce jaune paille. Et quand on fait l'analyse, on se rend compte qu'il y a un petit peu plus d'aluminium, un petit peu plus de fer et un petit peu plus de potassium. Et tout ça nous fait penser à l'ajout, mais dans des conditions, dans des quantités infinitésimales, d'argile légèrement ferrifère. Ces quelques exemples montrent bien mal la grande diversité des recherches de Bernard Palissy. On pourrait presque dire qu'à chaque couleur, à chaque aspect, correspond, bien sûr, j'exagère un peu, mais une recette particulière. Et on va bien comprendre pourquoi pratique va confier à Théorique dans ses discours admirables, alors que Théorique lui disait « Mais donne-les-moi tes secrets, donne-les-moi tes compositions, donne-les-moi tes recettes. » Il lui dit « Oh, quand j'aurai employé 1000 rames de papier pour t'écrire tous les accidents qui me sont survenus en cherchant le dit art, tu te dois assurer que, quelque bon esprit que tu aies, il t'adviendra encore un millier de fautes lesquelles ne se peuvent apprendre par lettre, et quand tu les aurais même par écrit, tu n'en croiras rien jusqu'à ce que la pratique t'en ait donné un millier d'afflictions. » En effet, le tour de force consiste à forcer tous ces éléments à vivre ensemble une même histoire thermique. Une glaçure à 60% d'oxyde de plomb ne fond pas et n'a même pas la même viscosité qu'une autre à 30% d'oxyde de plomb. Une glaçure au fer ne va pas réagir de la même façon qu'une glaçure au cuivre. Une glaçure opaque comme une glaçure transparente. Et c'est là que vont intervenir, probablement, mais comment on n'a pas encore tout à fait compris, ce que Palissy va appeler les sels. Il en parle tout au long de ses écrits, de ses sels, entre guillemets. Il y a la soude, des cendres de salicorne, le sel commun, la chaux, etc. Et je voudrais juste vous en montrer un exemple ici. Revenons sur cette aiguière. Lorsqu'on fait l'analyse de l'anse par rapport au fond de l'aiguière, il y a à peu près 2 fois plus de calcium dans l'anse que dans le fond de l'aiguière. Pourquoi ? On sait par nos collègues céramistes que le calcium, qui est probablement associé ici au potassium, agit sur la solidité de la glaçure et sur sa viscosité. À quel dosage ? On ne sait pas exactement. Est-ce que Palissy a été jusque-là dans la subtilité et dans la connaissance des matériaux ? Ça reste encore à prouver, mais on a bien l'impression. Si je voulais paraphraser Bernard Palissy, j'oserais dire, si je voulais écrire toutes les diversités des procédés, des techniques de glaçure de Palissy, je n'aurais jamais fait. En fait, il utilise cette expression, lui, non pas pour les couvertes, mais pour les glaçures. Et dans ses discours admirables, il va écrire « Si je voulais écrire toutes les diversités des terres argileuses, je n'aurais jamais fait, car entre les terres argileuses, il y a si grande différence de l'une à l'autre qu'il est impossible à nul homme de pouvoir raconter la contrariété qui est en Nicelle. » Car c'est vrai qu'entre les terres argileuses, il y a toujours, selon Bernard Palissy, si grande différence de l'une à l'autre qu'il est impossible de comprendre tout ce qui est sous-tendu par ces terres.
Il en a expérimenté beaucoup des terres, il en a expérimenté de tout type. Il les a cherchées partout. Dans ses écrits, il dit « J'ai été en chercher en Saintonge, il va parler du Poitou, de Parthenay, de Thouars, de Basse-Bourgogne, des argiles de la région parisienne, de Gentilly, d'Auteuil, de Chaillot, l'argile des Ardennes, de Savigny en Beauvaisis. Il va les individualiser par leur origine, il les individualise par leur utilisation, l'argile des verriers, l'argile des céramistes, des tuiliers, des potiers, des orfèvres, et bien sûr par leurs propriétés, par leurs couleurs, par leur tenue à la cuisson. Et il va insister particulièrement sur les argiles blanches qu'il va rapprocher de la marne. Il va nous expliquer qu'aucune sont sableuses, blanches et fort maigres, et pour ces causes, leur faut un grand feu auparavant qu'elles soient cuites au débuoir. Il y en a qui sont noires et qui, quand elles sont cuites, elles sont blanches comme papier. Autres espèces sont jaunes et quand elles sont cuites, elles deviennent rouges. Il n'y en a aucun genre qui sont de mauvaise nature, parce que parmi elles, il y a des petites pierres que quand les vaisseaux sont cuits, les petites pierres qui sont dedans les dix vaisseaux sont réduites en chaux. Et soudain, qu'elles sentent l'humidité de l'air, elles se viennent à enfler et font crever le dit vaisseau à l'endroit où elles sont encloses. Il y a autres espèces qui sont fort bonnes et endurent fort bien le feu, mais elles sont si vaines et lâches que l'on n'en peut faire aucun vaisseau léger, parce que lorsque l'on la veut former un peu haut, elle se laisse aller en bas, ne se pouvant soutenir. Ce sont là quelques courts passages consacrés aux terres d'argile. Mais dans cette liste que nous avons volontairement écourtée, où sont donc les types d'argile qu'a choisi Bernard Palissy pour réaliser les pièces qui sont mises en scène ? À quelle date, d'abord, Palissy a-t-il maîtrisé le moyen de faire des pièces rustiques et quand la diversité des terres desquelles il cuidait avançait ne lui porta-t-il plus de dommages ? Où se trouvait-il ? À Paris ? En Saintonge, il semble difficile d'y répondre. Une analyse physico-chimique de la pâte nous aurait bien sûr aidé, mais la pâte n'est accessible nulle part et il est évidemment hors de question de faire un quelconque prélèvement sur ces pièces qui sont en si bon état de conservation. On va dire quand même qu'une observation à l'œil nu, notamment au niveau des glaçures parfaitement transparentes des coquillages, nous apporte déjà un premier renseignement. La pâte est parfaitement blanche et nous avons eu à étudier beaucoup de pâtes que l'on traite de pâtes extra blanches tellement leur qualité est parfaite quand nous avons travaillé sur les fragments du jardin des Tuileries et également sur un plat des Beaux-Arts de Lyon qui était en restauration, plat complètement comparable à celui que vous a présenté Françoise auparavant. Et c'est une pâte qui est une argile très blanche, très réfractaire, très riche en alumine, très proche des pâtes que l'on a étudiées pour un autre type de céramique que l'on dit céramique de Saint-Porchaire, qui sont typiques du milieu du XVIe siècle. Et par ailleurs, on sait par la découverte de certains de ces fragments dans l'atelier de Bernard Palissy que lui-même connaissait parfaitement cette production et qu'il a, à un moment ou à un autre, cherché à l'imiter. Donc on peut penser que le plat du Louvre et que l'aiguière est réalisé à partir d'une pâte de même type, très riche, enfin très réfractaire et relativement proche des pâtes qu'il pouvait utiliser, des argiles qu'il pouvait utiliser en Saintonge. On sait que Bernard Palissy adapte soigneusement le type de pâte qu'il utilise à sa destination. Il y a des pâtes pour les briques, il y a des pâtes pour les briques triangulaires, il y a des pâtes pour les pavements, des pâtes pour les reproductions d'objets, pour les reproductions d'orfèvrerie, et il semble même que pour les rustiques, les moulages destinés aux parois de grottes ne soient pas les mêmes que les moulages pour les plats de vaisselle. Et l'émaillage de ces plats va poser un considérable problème à Bernard Palissy. Et il ne s'y attendait pas parce qu'il avait parfaitement réussi à émailler des petits fragments. Mais quand il est passé des échantillons isolés à un plat de ce type, il a écrit des pages déchirantes. Ayant fait un certain nombre de bassins rustiques et les ayant fait cuire, mes émaux se trouvaient les uns beaux et bien fondus, autres mal fondus, autres étaient brûlés à cause qu'ils étaient composés de diverses matières qui étaient fusibles à divers degrés. Le vert des lézards était brûlé premier avant que la couleur des serpents fût fondue. Aussi, la couleur des serpents, écrevisses, tortues et cancres était fondue auparavant que le blanc eût reçu aucune beauté.
En effet, nous l'avons dit, pour obtenir une fusion simultanée de glaçures aussi diverses sur un même plat que toutes celles que nous venons de présenter, il faut agir sur les viscosités, il faut agir sur les éléments modificateurs du réseau vitreux, comme le plomb, le calcium, les alcalins. Tout ça va jouer sur les températures de maturation des verres. Et surtout, surtout, il faut, comme l'écrit Bernard Palissy, gouverner le feu par une philosophie très soigneuse. C'est tellement compliqué, et pourtant, Bernard Palissy y a réussi d'une façon tellement magistrale. Mais cette technique est tellement sophistiquée, tellement personnelle, tellement complexe que les suiveurs de Bernard Palissy, même s'ils ont repris la technique des moulages survivants, vont le plus souvent considérablement simplifier. On a même envie de dire appauvrir la technique de mise en couleur. Ils reviennent presque tous aux effets décoratifs. Vous voyez ces plats qui sont dits suites de Palissy, qui sont au Louvre, vous pourrez également les voir, les deux qui vont suivre. Les glaçures de ces plats sont toutes d'un seul type. Ce sont toutes des glaçures transparentes, riches en plomb, et elles sont colorées par l'ajout d'oxyde métallique. Et donc, après une révision très sévère du corpus, très peu de pièces de vaisselle rustique sont actuellement attribuées à Bernard Palissy. On en compte à peu près une dizaine. Mais pourquoi les suiveurs de Palissy n'ont-ils pas retrouvé ces techniques? Eh bien, simplement, je pense que nous pensons que ces artisans ne sont pas soutenus par la même foi. Ils ne sont pas soutenus non plus par la même rigueur scientifique et par la même passion pour les secrets de toutes les matières. En guise de conclusion un peu élargie à notre conférence, je souhaiterais faire une très succincte évocation du contexte culturel européen dans lequel se situent Bernard Palissy et ses productions. En effet, on a vu que cette fossilisation, en quelque sorte, des éléments naturels par le biais de la matière céramique et des glaçures colorées témoigne de la volonté d'imiter la nature, de saisir la nature dans sa variété infinie d'éléments. Il s'agit là d'une sensibilité nouvelle face à la nature qui se manifeste à ce moment de la Renaissance européenne. En France, Bernard Palissy porte à un apogée cette technique du moulage d'après nature pour la céramique, comme en témoignent les pièces du Louvre, mais on ne doit pas oublier que ses créations céramiques les plus importantes semblent avoir été destinées à des jardins. Grâce aux vestiges archéologiques liés à la grotte commandée par Catherine de Médicis aux Tuileries, grâce aux écrits de Palissy lui-même, notamment consacrés à la description d'une autre grotte, celle qu'il avait réalisée pour Anne de Montmorency, et qui a été détruite, grâce également à ses écrits concernant le jardin utopique qu'il se propose de réaliser dans son ouvrage appelé « La recette véritable », on peut mieux appréhender les intentions de l'artiste en matière de grotte rustique, et notamment sa volonté d'imiter la pierre, la grotte rocheuse, au point d'effacer toute référence architecturale. Donc citons Palissy lui-même, décrivant l'un des cabinets du jardin, je vais directement à ce passage-là. Or, le dit cabinet sera tordu, bossu, ayant plusieurs bosses et concavité biaise, ne tenant aucune apparence ni forme d'art d'un sculpture, ni labeur de main d'homme. Et le dit cabinet sera comme d'un émail de couleur d'un calcédoine, jaspe marbré et moucheté d'un émail blanc, qui en se fondant et se liquéfiant fera plusieurs veines, figures et idées étranges, en se dilatant et se dissolvant d'en haut en bas du dit cabinet. Et par le dehors sera maçonné de grosses pierres, telles comme celles seront prises au rocher, sans être aucunement taillées ni façonnées, afin que le dehors du dit cabinet ressemble proprement à un rocher naturel. Alors, pour essayer d'imaginer un peu ce que pouvait représenter ce type de rocher naturel, enfin, d'apparence de rocher naturel, on peut vous montrer quelques briques émaillées, comme vous en avez ici à l'écran, donc avec des coulures qui témoignent de cette intention de Palissy d'imiter la rocaille et les pierres figurées. Donc ces pierres dont Anne a déjà parlé, cette volonté d'imiter le jaspe, la calcédoine, ces pierres semi-précieuses, donc sur laquelle devait couler l'eau. L'idée est en effet de restituer un fragment de nature et de renforcer l'illusion de la réalité.
Ce qui fascine à ce moment-là dans la nature, ce sont les métamorphoses de la matière, le mystère de ces transformations. Ainsi, la grotte est-elle un lieu privilégié pour l'expression de ce sentiment? S'il nous est impossible de nous faire une idée exacte des grottes en céramique imitant les formes naturelles conçues par Bernard Palissy, elles entrent en écho avec d'autres grottes artificielles du milieu et de la seconde moitié du XVIe siècle, multipliant les concrétions stalactites artificielles de tufs, de pierres ponces, les incrustations de coquillages, etc. Alors, vous avez ici à l'écran, comme témoignage de ce goût venu d'Italie, un exemple français. Il s'agit de la grotte de la Batie d'Urfée, dans le Forez, qui est conçue dans les années 1550 et qui présente notamment des thermes faits de cailloutis et de coquillages, que vous voyez ici. Et donc, il est tout à fait intéressant de voir que l'espèce humaine, on vous a montré beaucoup d'animaux, mais l'espèce humaine n'est pas absente non plus des grottes, des réalisations de Bernard Palissy, puisqu'il avait sans doute prévu aussi d'orner sa grotte de termes humains fantastiques. Et vous avez ici à l'écran donc ce buste d'homme. Il s'agit en fait, ce qui nous reste ici, ce sont en fait les tirages en positif issus des moules en plâtre qui ont été découverts au XIXe siècle dans les fouilles des Tuileries et qui ont à l'époque été moulés, c'est-à-dire qu'on a tiré un positif et ça a détruit en fait le moule de plâtre original. Donc ces positifs deviennent en fait eux-mêmes des pièces très très importantes puisque des originaux par défaut. Tout cela, tous ces éléments évidemment n'est pas non plus sans vous rappeler de célèbres tableaux, notamment les tableaux donc d'Archimbold, dont vous avez ici celui représentant l'eau, qui évoque en fait cette même sensibilité naturaliste de la période. Enfin, si les bassins rustiques de Palissy ne trouvent nulle comparaison dans la céramique européenne de l'époque, en revanche, ils se rapprochent d'œuvres d'orfèvrerie. Aussi est-il intéressant de mettre en parallèle Bernard Palissy avec son contemporain Wenzel Jamnitzer, orfèvre majeur de la cour des Habsbourg, qui travaille à Nuremberg, qui a orné vaisselles comme ce plat, ce bassin, des aiguières, d'autres types d'objets, des écritoires, etc., de représentations animales fidèles, donc des grenouilles, des serpents, des écrevisses, et vous voyez donc, comme ici à l'écran, ce détail d'une pièce qui est conservée au musée du Louvre, cette petite grenouille, la bouche ouverte, qui nous montre bien que ces éléments-là étaient sans doute, notamment la grenouille, vraiment obtenus par le moulage sur nature. Alors ce goût pour les animaux moulés sur nature se retrouve à cette époque dans les cabinets de curiosité qui accumulent, dans le souci de rassembler toutes les merveilles de la nature, comme Palissy finalement le fait sur ses céramiques, pierres, coraux, coquillages, plumes, pétrifications diverses, donc le domaine des naturalia ou des productions de la nature, mais aussi les monnaies, les bijoux, les instruments mécaniques, etc., donc les artificialia, les réalisations humaines dont on va admirer la virtuosité. Et au milieu de tous ces objets, on sait qu'étaient dispersés dans les cabinets des petits animaux fabriqués selon cette technique du moulage sur nature, donc serpents, lézards, grenouilles, crabes, coquillages, fondus en métal, plâtre, argile, parfois rehaussés de couleurs pour les faire sembler vivants. N'oublions pas que Palissy lui-même avait constitué un cabinet de curiosité, d'abord à Saintes et sans doute ultérieurement à Paris, puisqu'il en propose la visite aux auditeurs de ses leçons, des conférences qu'il donne à Paris dans les années 1580. Mais si dans le cadre de ces collections de merveilles, les animaux moulés sont souvent convoqués soit au titre de curiosité grotesque ou de virtuosité technique, ils obéissent bien à une intention artistique dans les œuvres d'un Jamnitzer ou d'un Palissy. Et dans le cas de Palissy, on l'a vu, ils obéissent également à une visée scientifique, dans le sens où il conçoit l'expérimentation. C'est-à-dire Palissy s'appuie avant tout sur l'observation des éléments et des phénomènes naturels, ce dont témoignent ses écrits, mais aussi ses œuvres. Et donc aujourd'hui, les guerres et le plat du Louvre nous sont mieux connus grâce aux analyses effectuées par le laboratoire. Et nous avons vu que même si par la technique du moulage, Palissy n'est pas à part, n'est pas un original dans la seconde moitié du XVIe, en revanche, l'usage des glaçures, c'est-à-dire sa quête sans fin des émaux, est tout à fait propre, en revanche, à l'artiste. Nous finirons cette conférence par citer Palissy à nouveau. Par quoi, ayant connu telle chose à la vérité et en étant bien assuré, j'ai considéré que j'avais beaucoup employé de temps à la connaissance des terres, pierres, eaux et métaux, et que la vieillesse me presse de multiplier les talents que Dieu m'a donnés, et partant, qu'il serait bon de mettre en lumière tous ces beaux secrets pour laisser à la postérité. Alors, on doit le remercier en effet de nous avoir laissé notamment ces textes, même s'il ne nous a pas livré tous ses secrets. Et si on a pu voir dans Palissy un précurseur des naturalistes du siècle des Lumières, il reste bien entendu un homme de son temps, et sa volonté d'imitation de la nature est tout à fait indissociable de l'admiration de l'ordre du monde tel que Dieu l'a créé. Il considère le livre de la nature comme une voie menant à la sagesse
divine, et laissons une nouvelle et dernière fois parler Palissy, et par un ordre que Dieu a mis en nature, les matières qui auparavant étaient vagantes se sont formées en telle sorte que les hommes devraient grandement s'émerveiller des œuvres de Dieu et connaître que c'est grande folie de le penser imité en telle chose. Merci.